Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kiwiki, votre buff préféré, de retour pour de nouvelles ouvertures Pokémon. Voilà, j'avais besoin de prendre une petite pause, un peu de repos. On s'est concentré sur la chaîne principale, mais on revient tranquillement pour faire des vidéos sur Pokémon. Pour vous dire la vérité, c'est qu'il me manque énormément de stock. Alors ces derniers temps, j'ai un peu moins de trucs à ouvrir, j'ai un peu moins de vidéos, d'idées de vidéos Pokémon à faire. Du coup, vous inquiétez pas, ça revient fort. On a pris une petite semaine de pause pour pouvoir réfléchir à toutes les nouvelles vidéos. Et franchement, on a plein de petits trucs qui vont arriver. Bon les amis, comme vous l'avez vu, hein, j'ai coupé ma barre pour ceux qui n'ont pas vu, ça me fait du bien, je suis de plus de bonne humeur. Aujourd'hui, on va s'ouvrir, vous savez, j'ai fait un énorme achat, hein, j'ai acheté énormément de dessinées radieuses. Aujourd'hui, on va faire une grosse ouverture, on a deux coffrets Pikachu, deux tripacks à ouvrir, ce qui nous fait quand même un bon total de boosters. Et franchement, ça va être vachement cool. Attendez, je set up un petit peu ma caméra. Je vais commencer à vous présenter peut-être mes classeurs. Donc, tu vois, ce classeur aussi, ces binders qui sont magnifiques au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà, je range tout par série. Je fais vraiment super attention à tout ça sur Destinée Radieuse. Du coup, je garde ce classeur à portée de main pour savoir si j'ai des doubles que j'ai déjà eu ou pas. On est parti, synchronisation audio, clap. Et les amis, on va pas perdre de temps, on est parti pour ce premier coffret Pikachu. Donc là, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo ouverture. D'ailleurs, je vais commencer à m'énerver. Pourquoi il y a des personnes qui commentent? Hein? Je lance des vidéos, je sors des vidéos, il n'y a plus personne qui commente. Vous voulez plus me parler, c'est ça? Vous m'avez oublié? Voilà, votre buff favori, c'est terminé ou quoi? Bon, oh, la carte jumbo. Alors tout ça, je voulais faire gagner. Hein. Tout ça, je voulais faire gagner. Je sais pas encore comment je pourrais les faire gagner. Vous avez juste à vous abonner à la chaîne et je vous ferai gagner tout ça. Les cartes jumbo, etc. On commence avec ce premier coffret Pikachu et on a toutes les illustrations si je dis pas de bêtises. Et ça c'est lourd, hein. Bah écoutez, on va finir avec le drapeau feu, on va commencer avec Corvaius. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le booster Pokémon, je suis pressé. J'ai pas de protège-carte aujourd'hui, je les ai tous utilisés pour quand j'ai fait mes tri. Les nouveaux ils vont arriver, vous savez moi j'achète les protège-cartes chez Amazon directement, les penny sleeves. Voilà, je me prends pas la tête. C'est le meilleur je trouve. Un petit peu cher par contre peut-être. Sinon allez checker sur la boutique de Genester pour des protège-cartes. On commence tout de suite avec une petite énergie. Ça fait plaisir, le Nigosier. Encore une fois très jolie carte ce Nigosier. Badaboin, ok. Oh, attendez les gars, faut que je reprenne l'habitude. Les Pérouillés, Kelocroc. Attendez, les cartes se sont fait abîmer, hein. Genre elles ont pris un impact ici. Là je sais pas si vous voyez, elles sont un peu creusées, c'est un peu relou. Charibari, Tournicoton, Frissonil. Après, attends, est-ce que c'est la reverse? Ça peut être une shiny. On commence avec une reverse Gorythmique. Et ce sera Whismire en holographique. Pas terrible hein, pour l'instant, pour ce début d'ouverture. Clairement pas terrible. On commence à avoir l'habitude. Hein. Après, je vous avoue que mon destinée radieuse, j'ai oublié à quel point ça va vite. Hein. 4 boosters, ça coûte tellement cher. Ah, ça m'a pas manqué, hein, les prix fous hein, de Pokémon TCG, c'est quand même pas donné, de base c'est fait pour les enfants, c'est plutôt fait pour les grands enfants, j'ai envie de vous dire. Énergie, métal, Valière de la Chimiel, Blancoton, Luxio, très belle carte, encore une fois, Goupilo, vous avez l'habitude, Evoli, Tournicoton, Kelocroc, très belle carte, Morpeko, qu'on revoit très souvent, Smogo, en reverse. Allez, s'il vous plaît, quelque chose, s'il vous plaît, les gars. Et ce sera le Celebi. Les amis, ce début d'ouverture, j'ai envie de faire des choses pas légales. Bon, allez, lançons rien. J'espère que tu vas donner un petit peu de chance. Ce premier coffret Pikachu est claqué au sol pour l'instant. Est-ce qu'on avait vraiment eu... Faut que je demande à Diane d'ouvrir mes boosters, hein, si ça continue. Hein, parce que là, ça fait peur. Hein. Les tirages font vraiment peur. Énergie, métal, Tropius, très belle carte encore une fois, le dresseur d'arène, Musteflo, Goupilou, Wistempo, Yanma, Morpeko aussi, très belle carte. J'arrête pas de le dire, mais à chaque fois que je vois Morpeko, je suis content. Je l'ai fois 500 dans mon classeur. Oui! Ça c'est cool. Une shiny. Et c'est le Goupilou qui tombe que j'avais déjà, si je dis pas de bêtises, mais c'est très bien, ça reste une shiny et Yann Mega, mais on commence direct avec une petite shiny les amis, je vais juste prendre vite fait mon classeur avec les shiny, regardez si je l'ai, hop, alors, j'espère que je l'ai pas, tac, Corvaius, et non, je l'ai pas, du coup tu vas partir directement dans le classeur. Voilà, regardez, si vous voulez commencer à voir, voilà, vous voyez, classeur de fond. Hein. Je vous mettrai dans un plus bel angle. Mais non, très content du coup, une shiny que j'avais pas, ça c'est vachement cool.
Allez, on est parti pour ce booster. Après, franchement, ces gars voulaient faire la collection des shiny. Ouvrez une bonne partie au début pour vous faire plaisir, profiter des skins radieuses. Mais après, achetez-la à l'unité. Hein. Ça coûtera tellement moins cher. C'est tellement compliqué de toutes les avoir. Bon, après, forcément, le Dracaufeu, je vous conseille pas forcément de l'acheter à l'unité. Mais je pense que Destinée Radieuse est l'une des rares séries où ça peut être entre guillemets rentable d'ouvrir. Avec un petit peu de chance, c'est peut-être l'une des rares séries où vous pouvez vous retrouver dans les comptes. Bon, là par exemple, vous voyez que mon tripa, enfin mon coffret, il est absolument pas remboursé. À moins qu'on tombe sur un gros hit ici. Peut-être une deuxième shiny, ça nous remboursera à moitié même pas. Mais y a moyen d'être rentable. Goupilou, allez derrière, c'est. Oh oui! Let's go! Let's go! Let's go! Bon, je l'ai en je sais pas combien de fois, Yveltal, mais ça fait toujours plaisir. C'est une carte qui se vend très très bien et qui est vachement cool. Et derrière, on aura la recherche professorale. On finit avec un premier coffret qui reste sympatoche. Voilà, sympatoche. Le Goupilou que j'avais pas, je suis très content. Yveltal. C'est une carte que j'ai en je sais pas combien, faut que je vais commencer à en vendre. J'en ai déjà 4 je crois des Yveltal. Et la vente de ces 4 Yveltal vont pouvoir me permettre d'acheter des shiny. Voilà, c'est ce que je veux. Donc je pense que je vais faire ça. Vendre mes Yveltal pour aller chercher de la shiny. Ce qui m'en manque vraiment beaucoup. Donc déjà je vais finir de tout ouvrir, hein, on sait jamais. Il nous reste encore quand même beaucoup de boosters. Donc c'est parti les amis pour ce deuxième coffret Pikachu. Allez, on espère un peu plus de chance quand même. Notre buff favori là, il aimerait avoir un peu de chance là. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de Gilan qu'il faut pas donner de la chance. Les boosters ils sont tombés. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais souvent les boosters ils tombent hein, de dessiner radieuse. Ici on aura Salarsen, Lanceaurien. C'est parti, 4 boosters. On est parti les gars. Ah, ça me fait plaisir là d'ouvrir un peu de dessiner radieuse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu en ouvrir. Hop, le petit code, c'est pour vous. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti les amis. Énergie de la force. La force du buff. Tropius, le bouclier rouillé. Evoli, Tournicoton encore une fois, c'est tout le temps la même carte hein, qui ressort. Morpeko, très belle carte, comme j'arrête pas de le dire. Cacnea, allez les gars, un petit peu de force de roi. Oui. C'est une gonne. Attends, je vais enlever un protège-carte, mais là, vite. Oh oui, j'en ai un. Attends, il me faut un bon protège-carte. Oui, let's go. J'en ai un, j'en avais un de réserve. Oh. Oh, les amis. Eternatus Gold. Regardez comment il est magnifique. Oh là 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 là. Oh, je suis trop heureux, c'est une carte en plus qui cote super bien. L'une des cartes qui cote le plus, je crois, derrière Dracaufeu, si je dis pas de bêtises. Magnifique, enfin on tombe sur un gros hit sur Destinée Radieuse, ça fait tellement de bien. Oh là là, ça me fait tellement de bien. Oh, let's go. Oh, let's go, ça merde, let's go. Ah, je suis trop content. Ah, oh, ça fait du bien là pour le retour, ça fait vraiment du bien. Allez, tac, deuxième code, 1, 2, 3 et 4. En tout cas, ce coffret là, il nous fait du bien, il est rentable. Je vous l'ai dit, hein, vous pouvez avoir un peu de chance. Badaboum, allez, deuxième booster. Oh là là, les gars! Lixi, Smogo, Hippotramp, Wistempo, Morpeko. Et derrière, ce sera une shiny! L'immonde de Galar qui fait plaisir, petite shiny encore une fois. Là, c'est un super coffret. Et derrière. Carte V. Oui, Morpeko V-Max, let's go. Oh là là, let's go, let's go, let's go, let's go. Quelle ouverture de fou. Quelle ouverture de fou. Tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. Ça c'est la force. Oh ça, ça fait plaisir. Alors ce coffret, vous avez vu, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être facilement rentable sur Destinée Radieuse. Truc de malade. Tcha tcha tcha. Oh là 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 là. Ah là, faut continuer sur cette lancée, faut continuer sur cette lancée. Allez, comment tu veux réouvrir des anciennes séries quand tu quand t'as des hits comme ça sur Destinée Radieuse avec des shiny derrière VMAX? Ah non. Bon, en tout cas, ça nous rattrape ce vieux coffret qu'on a eu parce que le premier coffret était vraiment pas terrible. Hein. En tout cas, dans les taux, on n'était pas habitué à ça. Hippotrempe derrière, ce sera magnifique.
Oui, Roublenard en holographique, ça reste très très bien. Ce coffret est exceptionnel. On a quelque chose à chaque booster. Dernier booster de ce coffret fou. Ah mais là j'avoue que ça fait vraiment du bien. Il nous manque, bah maintenant en fait le problème c'est vraiment d'aller chercher ces shiny. Il nous manque bien sûr le Dracaufeu. Ça fait du bien. Les gars, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Il nous reste encore deux tripacks ensuite. Nigosier, Bouclier Rouillé et Flèche. Cacnea, Tournicoton, Frissonil, Cracnoa, Goupilou. Oui! Oh là 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 là, les gars, j'étais même pas prêt! J'étais même pas prêt! Et derrière, ce sera la recherche professorale et ce Smogogo de Galar qui tombe en shiny, les gars. Le classeur va commencer à être rempli. Ça fait du bien. C'est des shiny que j'ai pas. Il est trop trop beau par contre, ce Smogogo de Galar. Il est vraiment magnifique. Oh là 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 là, les hits qui tombent, ça fait vraiment du bien. Il nous reste encore deux tripacks, les amis. Et les tripacks, vous le savez, c'est là où on a le plus de chance normalement. Donc on va voir comment ça va se passer. Il me reste encore peut-être 30 boosters à peu près à ouvrir encore de Destiny Radius. Donc on va se les ouvrir, ne hein, vous inquiétez pas. J'espère normalement, si j'ai le sort, va pouvoir nous envoyer l'ETB Evoli qui va bientôt arriver, pardon, avec bah, le petit booster encore. Donc on a encore des boosters Destiny Radius à s'ouvrir. J'attends de vraiment tout ouvrir pour ensuite vous dire ma stratégie pour essayer de remplir au maximum bah, toutes les cartes de Destiny Radius. Après forcément... La petite promo. Si j'arrive pas à avoir le Dracaufeu, bah j'aurai toute la série sauf le Dracaufeu. Je me vois pas mettre encore aussi cher pour une pièce. Surtout que je préfère ouvrir, notamment pour mes vidéos. Hein. J'adore ce pins. Pour les vidéos et tout, je préfère ouvrir que d'acheter à l'unité là où je vois pas trop l'intérêt. C'est parti, tripack, les gars, ne jamais sous-estimer les tripacks, vraiment surtout sur Destiny Radio. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas en acheter parce que bah, c'est vrai que c'est un petit peu moins rentable, mais j'ai l'impression que les taux sont meilleurs. Hop, on va voir ça tout de suite. 1, 2, 3 et 4. C'est parti les amis pour Énergie Métal. Mustefloéo et Flèche. Motisma. Mimigal. Lixi. Hippotrempe. Yanma. Morpeko. En reverse, on aura Whismir. Et après, on a quelque chose à 30 et 72. C'est Morpeko V qu'on avait déjà, mais en tout cas on a le V et le V max et ça fait vraiment super plaisir. Très très bon booster, une petite V qui tombe sur ce tripack. On espère qu'on n'aura pas que ça. Là il nous manque encore des cartes, j'ai pas encore eu de shiny folle. Donc j'aimerais bien commencer à avoir les shiny folle. Voilà les shiny folle comme j'avais, énergie feu. Le épée rouillée, très très belle carte encore une fois. Motisma. Blancoton, Smogogo, Cacnea, Tournicoton, Frissonil derrière. Est-ce que c'est la reverse? Le Cracnoa, c'est juste après la reverse. Oui, c'est une shiny, c'est Pyrobut. Oh, shiny qui tombe, carte qu'on n'avait pas. Il est magnifique. Magnifique, les gars. Et derrière, on a... Oh là 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 là. Aïe 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 aïe, c'est un truc de fou ce qui se passe dans cette vidéo les gars. Allez, il faut vraiment que là je vais vraiment faire attention aux cartes. Je vais les mettre très très rapidement dans le classeur. Je vais vous éviter tout ça parce qu'après moi je vais devoir couper au montage et tout, c'est un peu relou. Mais oh là 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 là, c'est vraiment fou ce qui se passe hein. Là franchement aujourd'hui là ça fait vraiment du bien d'avoir un petit peu de chance. Là cette ouverture se passe très très bien. C'est vachement cool, franchement c'est vachement cool. Et vous avez vu hein, les tripacks, là on a eu une shiny, une V, une full art, dresseur, et tout ça en deux boosters. Vous avez vu, hein, franchement les tripacks, les taux sont vachement bons. Après j'ai déjà eu des tripacks où les trois boosters n'avaient rien aussi. Hein. Motisma, Nigosier, Barrière de la Chimiel, Cacnea, Charivari, Mustéboué, Mimigal, Lixi. Oh c'est une shiny, l'Ansorien. Les gars, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Vous avez vu la puissance des tripacks. Et derrière, on n'aura rien. Ce sera Torgamore. Mais regardez-moi ça. Non, mais là, c'est vraiment un truc de fou. Là. Vous savez que là, je suis vraiment en train de plus en plus me rapprocher de ce set destiné radieuse. Bon, j'en suis encore loin. Il reste encore beaucoup, beaucoup de shiny. Mais là, on fait énormément de hits. Hein. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 shiny en une ouverture. C'est énorme. C'est vraiment énorme. On va terminer avec... ce dernier pack et franchement en tout cas aujourd'hui j'aurais vraiment pas à me plaindre parce qu'on a chopé ce Eternatus Gold. Après oui forcément on aimerait avoir le Dracaufeu mais il nous reste encore des ouvertures, il nous reste encore de la chance, il nous reste encore beaucoup de choses à ouvrir.
Et puis après, on va, comme je vous ai dit, après je vais me concentrer sur de l'achat à l'unité, peut-être, je pense. Parce que j'aimerais bien avoir toutes les shiny en fait, toutes les petites shiny. Oulala, attention, Eternatus, fais attention à toi. Allez les gars, trois derniers boosters de cette grosse ouverture de retour en tout cas. J'espère en tout cas ça vous fait plaisir de me voir. J'ai bien fait de revenir comme ça parce que là on a vraiment des jolies cartes là qui sont en train de tomber et ça fait vraiment du bien. On est parti les gars pour les trois derniers boosters de cette grosse ouverture. Hop, c'est parti les gars, tac tac tac. On va pas perdre de temps. Et c'est parti. Oula, ce booster il a l'air dur. Hop, 1, 2, 3 et 4 les gars, c'est parti. Énergie, le dresseur d'arène, Luxio et Flèche, Brindibou, Kellogg, Morpeko, Smoko, Tournicoton, oh, Whismur V que j'avais déjà, et Whismur qui est là, bon, ça fait toujours plaisir, une petite V, encore une fois, ça c'est le genre de cartes, on les fait partir à l'échange, on les fait partir à la vente. On est toujours content de les avoir, voilà, toujours content de les avoir. C'est le genre de cartes qui partent très bien d'ailleurs. Allez, c'est parti les frères. On est parti. Il va falloir vraiment que je suis pressé en fait de tout ouvrir. Comme ça, une fois que j'ai tout ouvert, je vais pouvoir voir tout ce qui va me manquer. Il va me manquer beaucoup, hein. Destiné radieux, c'est dur à faire, hein. Très très dur à faire. Mais bon, je pense aussi que c'est ça qui est drôle, on va pouvoir faire des échanges avec les gens, surtout sur les shiny. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des échanges de shiny, etc., je serai ouvert, je pense... aux discussions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. Tournicoton, Cacnea, Yanma, Frissonil, Embrochet qui tombe en shiny que je n'avais pas, et derrière, Roublenard, et encore une fois, un hit shiny qui fait tellement plaisir. Dernier booster, mais les gars, franchement, superbe ouverture, magnifique ouverture, encore une fois, Destiné Radius qui nous régale, voilà, qui nous régale. Dites-moi un petit peu quels ont été vos quotas un petit peu, comment s'est passé un petit peu vos ouvertures, ça m'intéresse. En tout cas là les gars, je suis heureux, énergie, badaboin, Tropius, allez c'est le dernier booster, donne-nous quelque chose pour ce dernier booster, Cacnea, Tournicoton, Frissonil, Cracnoix, Goupilou derrière. Ouah, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Oh bon, les gars, cette vidéo, c'est trop de la dinguerie. C'est trop de la dinguerie. C'est trop de la dinguerie ce qui vient de se passer. C'est trop de la dinguerie. Bon bah les gars, on va aller souffler un peu. Là franchement, je pense que c'est l'une de mes meilleures ouvertures. Ça fait tellement du bien pour le retour. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Les gars. C'est un truc de baiser. On a les deux gold. Tellement de... Plein de shiny qu'on n'avait pas. Non, là, ça fait vraiment du bien. Après les ouvertures qui étaient vraiment pas terribles, là, ça remonte vachement le moral. Moi, j'ai bien. Dormez bien. Mais surtout, restez fan de Pokémon. J'ai plus de voix. Je vais aller prendre un peu de mieux. Je vous aime.